Waka, t'as fait ça tout seul? C'est du boulot, mais... attends un peu de voir quand il percera l'atmosphère pour s'envoler. Ouais, ok. Pour les injecteurs de carburant, c'est bon? Non, non. Mais bientôt. Garde-les encore un peu. Les pièces de valeur ont tendance à disparaître ici. Voilà l'établi. Elira avait raison. Sliro a mis ma tête à prix. Ok, ok. Il faut qu'on trouve une solution avant que Zerek Besh nous localise.
Ouh, j'avais pas fait ça depuis un bail. Danka, mon blaster est prêt. Vous allez me donner le boulot cette fois ? Ouais, Bello a dit que tu étais passé. Je vais t'envoyer les coordonnées de la cache. Tu y vas et tu la vides. Bon, c'est dans mes cordes. Bien. Retrouve-moi à l'espoir de Jonta quand ce sera fait. Accroche-toi bien. Davis, par ici. Mais t'es pas censé être de garde, toi ? C'est fini. J'en avais marre. Je me suis tiré. Si Gorak l'apprend, t'es mort. Dommage que t'aies pas de vaisseau. C'est une proposition ? Pas vraiment. Mon sac est dans le district des Pikes. Tu peux aller me le chercher ? Je travaille pas gratuitement, je te signale. Tu seras payé. Mais dis à personne que je suis là. Ça te plaît, Nyx ? Besoin d'une pièce de speeder. Bonne journée.
passage. Enfin, tu veux faire affaire ? Faire affaire ? Comment ? Peu importe. La ligue commerciale Miyuki fait affaire de tout. Si tu as quelque chose, nous, on l'achète. Vous pouvez en faire quelque chose de ça ? Oui, oui. Beaucoup de choses. Marché conclu. Mais toi, viens voir ce qu'il y a en stock. Tu veux jeter un œil ? Il te faut quelque chose ? Repasse bientôt. Tu vas pouvoir reposer tes petites papates. Ici l'endroit indiqué par Danka. Ouf, ce condensateur a l'air mort. Voilà pourquoi il me fallait le module ionique. Voilà. Je vais pas laisser ça là. On y va. Ah,
ça ira plus vite comme ça. Pas mal te débrouiller en speeder. Tu veux faire la course? Non, c'est bon. Comme tu veux. Reviens quand tu te seras acheté du courage. Trouve une solution toi-même. Moroshkyo, Tamina Fatma. Un accident. Je t'ai vu l'envoyer par-dessus la falaise. Salut mon grand. Anka, voilà ce que j'ai trouvé. Un genre de transpondeur de pistage. Et un paquet de crédits. Garde les crédits, c'est pas ce qui m'intéresse. Les Huts voulaient pas verser leur tribu. Alors, au lieu de leur petite cache, là, ce transpondeur les conduira tout droit jusqu'à moi. Oh, il vaut mieux vous avoir comme alliés, vous. T'en fais pas pour ça. Je suis réglo avec les gens fiables. Justement, j'ai un petit bonus pour toi. Un bonus? Quoi? Plus d'argent? Mieux que ça, un conseil. J'ai des amis qui pourraient t'aider pour te dégoter un meilleur kit de piratage ou bidouiller ton speeder. Il faudra les localiser toi-même. Mais ça devrait te mettre sur la bonne voie. Merci. Les informations, ça vaut toujours plus que les crédits, pas vrai? Et garde-les bien pour toi, ces petites révélations. À bientôt, ok? Kay, je suis prêt pour les injecteurs. Apporte-les-moi et on... de pouvoir décoller. Oh. Enfin, ça marche, j'arrive. Bonjour, excusez-moi. Je cherche quelqu'un pour bidouiller mon speeder. Les vents posent problème. Hein. Ça se voit tant que ça. C'est l'Orovac. C'est la meilleure de ce côté de la voie indienne. Tu trouveras pas mieux. Mais elle aime pas trop les étrangers. Ça tombe bien. Moi non plus. On la voit pas trop ces derniers temps. Ses amis à Kadua savent peut-être où elle est. Kadua? Oui, 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 c'est... Juste après Mirogana. Un campement de pêche aérienne. Ah oui, la pêche aérienne. J'adore.
Je parie qu'Aïe la Brenne sait où se procurer du bon équipement de piratage. Détourne l'attention, Nyx. Reviens quand tu auras fait tes preuves. Reviens vite. L'endroit idéal pour l'opération. J'espère que ça va pas trop durer. Tu peux pas me concentrer avec tout ce bruit. Qu'est-ce que tu vois? Comme des ombres, d'accord? Dis,
Dis, tu connais une pirate qui s'appelle Ayla Bren? Ouais, mais elle cherche pas de boulot en ce moment. Oh, je veux pas la recruter. Je suis aussi une pirate. Je voudrais juste discuter. Tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Ayla, il y a une fan en face de moi qui te demande. C'est une blague. Je suis occupée. Qu'est-ce que tu veux? Oh, je m'appelle Keyves. Je cherche de nouvelles technopirates et on m'a dit que vous étiez la meilleure du coin. Vess, vraiment. Apporte-moi un séquenceur impérial. On parlera après. Eh ben dis donc, étonnant. Elle t'a vraiment filé des coordonnées. T'as de la chance. Kay? Hey, je suis de retour avec les injecteurs. Parfait, on va installer ça. Voilà, les injecteurs de carburant, c'est bon. Donne-moi une minute et on sera prêt à décoller. Il a connu des jours meilleurs, ce vaisseau, non? Il vole, à peu près. Vous avez un autre travail pour moi? Défiez les impériaux, ça t'intéresse? Oh, mauvaise idée, Kay. Réponds-lui non! Je croyais que c'était déconseillé par ici. On fera porter le chapeau aux Pikes. Et qui me dit que l'Obécarlate ne me trahira pas une fois le job terminé? Personne. Mais c'est la règle du jeu. Eh oui, c'est un jeu que je maîtrise mieux que les autres. Tu n'as qu'à t'introduire dans une station impériale. Et y effacer des données. Facile. Dans l'espace? Non, c'est beaucoup trop tôt. Ça ira pour moi. Je parlais du vaisseau, en fait. On s'en occupe. L'hyperpropulseur est encore HS. Donc toujours pas d'hyperespace. Les mondes du noyau vont devoir attendre.